Bon, les faux filous, en ce jeudi, je crois qu'on s'est un peu laissé dépasser. On avait des enfants un petit peu plus terribles, il a fallu aller dire aux parents, deux parents, bon, ça va, deux parents, que, allez, rectifier le pied. Deux parents, pas en couple. Et, et du coup, bon, on a un petit peu de travail, de rangement à faire, donc je vais vous montrer ça. Et puis tout ce qu'on a fait, les bons petits cookies pour ce soir. Et pendant que je filme, Pauline est rangeant. J'ai trouvé le truc. Voilà, et surtout, bah, faut qu'on laisse la salle propre et on leur a fait laver les tables, hein, mais le sol. Voilà, voilà, il y a du cookies au sol aussi. Et voilà, encore du rangement. Du rangement dehors aussi. Hein. Et mais je vais vous montrer les coulisses. Il y en a encore qui cuisent là. Mmh. Oh la Pauline, ça commence à brûler. Faut que tu aies rien de retirer. Ah mais ça va très vite les cookies. On va voir, ça va vite. Et il y en a là. On en a 122 au mais total. Non, en fait ils sont marrons mais ils sont tout mous. Mais c'est pas grave, faut les sortir quand même. Quand ils refroidissent, sinon ils vont être secs. Ben, on n'éternit pas sur les cookies, Valentine. Non, j'ai tourné la tête. Ouais, je sais, j'ai vu. Voilà. Et puis la vaisselle. Voilà. Toute la vaisselle. Ça va, on a équipé professionnel. Hein. Oh, ben, on n'est pas parti du travail aujourd'hui. Je vais faire des choses cet après-midi, mais je sens que l'après-midi, elle va être très raccourcie. Et en plus, là, on va partir tout à l'heure. Après, on revient à 17h30, parce qu'à 17h30, il y a une initiation jeu qui commence et il y a des jeux qu'on aime beaucoup faire. Donc on va y aller puis pour faire des jeux avec les familles. Puis à 18h, il y a le pizzaiolo qui arrive. Et du coup, on va aller commander des pizzas parce que comme on travaille ici, bah pour nous, c'est gratuit. Oh, ça sent trop de la balle. Et donc après, ce soir, pizza. À 20h, on aura. Enfin, un et peu cookies avant, à 19h30, on aura des pizzas. Ouais. T'as bien choisi ton jour pour venir, toi. Coucou tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose, on est en plein rush, en pleine préparation du vide-grenier de ce week-end, donc c'est entre le nettoyage de certaines choses, voilà, on installe dans la maison, je vais vous montrer un petit peu ça, et puis de l'administratif, hein, parce que c'est pas le tout, mais il y a toujours des papiers à faire, surtout par rapport à, oh là, je suis un peu en contre-jour, aux déclarations pour l'école à la maison, etc., etc., etc. On a enfin réussi à faire le ramonage de la maison. J'ai trouvé quelqu'un vraiment en dernière minute, comme ça, qui avait un créneau l'après-midi. Ça, c'est top. Et pour le coup, autant joindre le côté pratique, vu qu'il a bu la caravane et qui nous prend aussi la caravane, aussi, du coup. Voilà. Sinon, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un technicien pour l'entretien de la chaudière. Donc, ça fait partie aussi des choses obligatoires à fournir. Là, ce sera le 6 mai. Voilà. Donc, normalement, on signe la vente de la maison, la semaine d'après. Donc, vendredi 6, 7, 8, à partir du lundi 9. Normalement, si on se laisse encore peut-être 2-3 jours de marge, disons qu'à partir du 10, normalement, on est censé pouvoir signer la vente de la maison. Encore faut-il que les deux notaires puissent se mettre d'accord. Allez, je vous montre un petit peu où on en est à l'intérieur de la maison pour la préparation du vide-grenier. Voilà, donc ça se prépare. Là, il y a le petit stand à Miss Pauline avec ses créations. On n'a pas encore mis celle à Sophie. Voilà, et puis bah en fait quasiment tout est à vendre. On a encore de la prépa à faire. Hein, Miss. Ouais, encore du taf, hein. Ouais. Voilà, puis moi je dois aller sortir un peu tout ce qu'il y a en termes de d'outils de jardinage aussi, parce qu'on en a franchement pas mal. Voilà, donc bah, ceux qui sont pas très loin, écoutez, vous pouvez passer nous voir le week-end sur Saint-Valery-en-Caux. On voit Benji qui travaille là-bas. Il est caché, voilà. Il est en train de démonter la clôture qui a déjà été vendue. Voilà. Eh oui, il faut laisser le panneau. Voilà, on continue et puis bah, on vous remontrera un petit peu tout ça. Ça vous rappelle quelque chose, cette clôture ?
Eh ouais, à une époque, avec Angelo et Marco, on l'avait montée. Bah là, il faut la démonter. Maintenant, hein, Oreo, qu'est-ce que t'en penses, hein? On fait, on défait. C'est comme ça. Voilà, notre petit Eden, il est garé au fond, sagement. Vivement qu'il roule, hein. Vivement qu'il roule. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà, pour la partie salon. Le camping-car de Géotrouve-nous, hein, que je vends aussi, bien sûr. Hein. Tu veux la rentrer au cabanon 100 euros. Où la rentrer? Flagrant délit de vidéo. Attends, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah écoutez, pour ceux qui veulent venir faire un petit tour, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète, c'est ma grande spécialité. Voilà, donc samedi et dimanche à Saint-Valery-en-Caux, je vous donne l'adresse en MP. Bon, ben, me voici au VVF dans le noir. Et Sophie et Pauline ont oublié de poser les œufs de Pâques pour demain. Voilà, parce que demain il y a une chasse aux œufs ici. Et à 22h, elles se rendent compte qu'elles ont oublié de le faire. Du coup, faut aller faire ça. De nuit. Il y a mon parc là-dedans. C'est cool. Mais c'est vous là. C'est vous là dans le noir. C'est moi dans le noir. Bon. Allez. Il faut cacher les galets. Cacher les galets pour la chasse aux œufs. D'accord. Ok. Bah écoute, hein, on y va. Tu veux que je tienne le sac? Ouais. Ok, allons cacher les galets. Ce serait bien que je mette des flashs au moins. Ceux-là, il faut les mettre en facilement accessible. Les verts facilement accessibles. Plus compliqué, quoi. D'accord. Mais il est facile, on met les roses bien. Et le secteur, c'est un peu partout? Tout le VVF. D'accord. Ok, bon bah c'est parti.